renard, oh, je vais mettre le feu. Je vais enflammer le président. C'est bien, ça. Et votre lance-flamme, vous l'avez déjà testé? Évidemment, tous les ans, sur une classe de 6e. Mais c'est ignoble. Félicitations. Oh là là, ce soir, je me sens réincarné en Rimbaud. Non, c'est Rambaud. Ah, vous faites de l'humour, vous, maintenant. Vous verrez, à la fin, la foule, dans une euphorie collective, se lèvera et m'applaudira. Ça, c'est pas sûr. Par contre, vous serez recherché dans le monde entier. Ah, je suis peut-être pas préparé à un tel succès. Oui, mais vrai. Le changement, c'est maintenant. Vous avez raison. Vous avez raison. Par contre, il faut que je répète. Il faut que je répète, je connais pas tout à fait mon texte. Oh, je vais m'exercer sur vous. Mais ça ne va pas? Allez, à trois, je dois vous toucher en plein cœur. Un, deux... Mais arrêtez, j'ai déjà marié des enfants. Oh, vous ne devez pas parler. Je ne parlerai pas, je ne vous connais même pas, d'ailleurs, je ne sais jamais vu. Oh, je viens de comprendre. Oh, merde. En fait, vous êtes quelqu'un de profondément sensible. On peut dire ça comme ça. Oui, avant que j'oublie, vous sortirez par la porte sud. Vous trouverez un type avec un chapeau sur le trottoir. Vous lui direz 2 fois 6, il répondra 15. Vous voulez dire 12? Non, il dira 15. Je regrette, mais 2 fois 6, 12. Non, mais là, c'est un code que personne ne doit connaître. Vous lui direz 2 fois 6, il répondra 15, vous le suivrez, il vous remettra une valise. C'est pas mieux si je dis 3 fois 5? Non, car il ne répondra pas 15. Ah bon? Parce que ça fait combien pour lui 3 fois 5? Vous devez dire 2 fois 6, il répondra 15, vous le suivrez, vous remettrez une valise. Vous voulez que je suive quelqu'un qui connaît pas sa table de 2? Vous devez dire 2 fois 6. Ok, je dirais 2 fois 6, plus 3. Vous devez dire 2 fois 6, il répondra 15, vous le suivrez, vous remettrez une valise de 100 000 euros. Remets 2 fois 6, 100 000. Pour moi? Oui. Et les bois, et les monts, et toute la nature semblaient interroger dans un confus murmure le flot des mers, les feux du ciel. Et c'est notre d'impôt? Oui. On est champion! On est champion! On est Le train du Brésil arrive! Allez-y! François! François, je suis là, s'il vous plaît! 2 minutes, François, je suis là! François, s'il vous plaît! Maître Corbeau sur un arbre cherché, enfoiré! Mais qu'est-ce que vous avez foutu, bordel de merde? J'ai fait comme lui. J'ai pas respecté mes engagements. Oui, allô, mon amour? Oui, c'est moi. Oui, j'arrive. Ça y est, j'ai fait mes valises. Oui, j'arrive. Oui, ma femme arrive dans 20 minutes. Je lui dis que c'est terminé entre nous et je te rejoins. Moi aussi, je t'aime. Bon, allez. Je vais faire la chevaleresque. Je vais lui envoyer un texto. Suzanne, je te quitte. Ce qui m'a attiré chez toi, c'est ton argent. Mais ton gros défaut, c'est que t'es radine. T'es tellement égoïste, tu préfères dépenser tout ton argent dans des œuvres caritatives. Heureusement que ta maman est adorable. Lol. C'est un Yorkshire qui ne sait que râler, critiquer et baver. Personne n'a osé te le dire, arrête la peinture. Je ne regarde jamais tes tableaux, on dirait des plaques de moisissure. Ils me rappellent tes pieds, oui, c'est pour ça que je t'ai offert une nuisette avec des chaussettes de foot. Moi, j'ai supporté ton week-end au camping, alors que je hais le camping. Envoyé. Ouf! Enfin libre! Oh là là! Fini les... Oh mon lapinou! Coucou! Mon lapinou!
C'est qui le plus doux de tous les lapinous? C'est moi. Et c'est qui la plus douce de toutes les lapinettes? C'est toi. Pour tes 35 ans, j'ai un cadeau pour toi. Ah, un magazine avec des Porsche. Mais arrête de faire l'idiot. C'est ta nouvelle voiture, mon amour. Quoi? Tu m'offres une Porsche? Bah oui. Oh, tu m'offres une Porsche? Oui, mais attends, elle n'est pas encore garée. Hein. Oh là 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 là. Faut qu'on passe demain signer tous les papiers. Oh là là, oh là là, oh là là, 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 je t'aime ma lapinette. Waouh. Mais chérie, Panko, c'est quoi cette valise? Quoi? Oh ça, ça c'est rien, ça c'est... Non, non, ça c'est rien, Je voulais qu'on parte en week-end. Mais on est mardi. Ça serait un très long week-end, ma lapinette. Oh, je suis contente. Ben, je vais annuler tous mes rendez-vous, j'appelle tout de suite au bureau. Appelle. Moi, j'appelle. Oh, ton portable. Est-ce que tu peux me passer ton portable? Pourquoi? Je t'expliquerai, il est dans le sac? Oui, dans le sac. Ouais, je t'expliquerai. Oh là, pourquoi c'est toujours le bordel dans les sacs de bonne femme? Et mon lapinou, c'est quoi la destination? Oh là là, il y en a des médicaments, des cartes de fidélité. Ah, lapinou, il est là, mon téléphone. Tiens, un billet de 10 euros. Ah, tiens, la fille m'a envoyé un message, je vais regarder. Oh! Oh! Il me quitte! Oh, un vieux morceau de pain. En plus, il n'ose pas me parler de mes pieds! Un boudon. Oh là là. Ah, mais sa mère, il faut s'accoltiner, sa mère, là, avec son déambulateur et ses vieilles couches, là. Il faudrait mettre des étagères. Ok. Tu veux pas regarder ma peinture? Eh ben, tu la verras pas, ma Porsche, vu que je suis une grosse radine. Tu me parles, ma lapinette? Mon portable. Quoi? Je l'ai oublié dans la voiture. Ah, laisse tomber, j'y vais. Je vais le chercher. Attends, avant de partir, juste par curiosité. Ouais. Tu comptais m'emmener où? C'est une surprise déjà. Comment te dire, c'est... Au Bahamas? Non, mais c'est... C'est encore plus romantique que ça. C'est différent. C'est... En fait, ça... Là, on va partir, c'est... Je cherche pas. Je sais que t'as fait aucune réservation. Ouais, non, parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais justement que pas faire de... Tu vois, c'est que je voulais... Mais c'est pas vrai! Non, j'y crois pas! Oh, on va faire du camping sauvage! Ah, ah, tu devines tout, ma lapinette! On peut rien te cacher! Ah, tu peux pas savoir à quel point. Bon, je vais aller chercher le portable. Ta mère, elle est là? Bah non, pourquoi tu veux qu'elle soit là? Je sais pas, je trouve que ça sent l'urine. Comment tu parles de ma mère? Non mais t'as pas honte là? Comment tu oses parler de ma mère? J'hallucine. Et tu sais quoi, moi ta maman? Moi j'ai toujours eu de la tendresse et de l'affection pour elle. Hein. Tu veux que je te dise? Ta maman, c'est l'une des femmes que j'admire le plus au monde. Non mais excuse-moi, mon lapinou, c'est juste avant de rentrer, j'ai reçu un texto. Un texto? Ouais. Qui disait Suzanne. Je n'achèterai pas votre tableau. Oh, mais comment c'est possible ça? Oh, non mais je comprends pas, mais franchement, je comprends pas les gens, faut vraiment être aveugle pour ne pas voir ton génie artistique, ma lapinette. Oh c'est gentil mon lapinou, en plus c'est tellement sincère. Tu veux que je te dise? Mm-hmm. Toi c'est comme les grands peintres, comme tous les grands peintres, ton talent il sera reconnu après ta mort. Tu crois? J'en suis sûr. Et si tu veux je peux t'aider, mm-hmm, à te détendre, avec un massage. Ah bon? C'est marrant que tu dis ça parce que du coup j'ai marché toute la journée et j'aurais bien besoin d'un massage des pieds. Des pieds? Oui. Ah, je m'installe. Et tu sais, j'ai été voir le médecin hier. Ouais. Il m'a dit pour mes pieds j'avais des mycoses péruviennes. Oh, mais t'inquiète pas, c'est pas contagieux. Oh, je me sens pas bien, ma lapinette là, je sais pas ce que... Je me sens pas bien. Et au fait, mon tableau, le dernier...